bah ouais signature non qu'un bagage qui est capable de sembler et ça qui n'a pas de rien qui était défini comme liberté. À quoi relève l'accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace? En juste pour apaiser, justement, c'est pour rétablir le calme, permettre au pays et capable de fonctionner. Bah, on a tout à discours premier ministre et puis arriver et faire élection, passer la main à l'autre équipe. Ouais, c'est des thèmes de monde qui a géré culpabilité. C'est-à-dire que comme d'adou, ouf, tu le maman maintenant vient pour apaiser. C'est comme si d'adou, la maman, ou pas au cas remplacer ça. Ou qu'on nation qui a pris le fait que la prend là, on a même des mouns qui, pour qu'on taille, impliqué dans une série de bagages, et qu'on y a eu avec des mots, comme si d'adou, moyo, c'est nek qui crée. On nous crée. Même j'ai été créé en bande moyo, détruit en bande l'autre moto. Regardez pour espoir pas le même sens encore, unité pas le même sens encore, combien de gros mots que nous avons détruit à travers l'action malhonnête ça que a posé. Je dis encore, je viens avec apaiser, comme si nous avons appris à apaiser, et comme si nous avons quelque chose qui fin fait, on va créer ensemble encore, même monde qui fin fait ça, ou fin fait, ils réunis ensemble, ils ont signé un papier, ils ont venu avec une série de l'autre gros mots, mono, bicéphale, plein phale, métisséphale. Pour tromper vigilance, monde qui a victime, monde qui opprime, monde qui a souffert de modèle action malhonnête, tu que a posé. Donc, moi-même, pas qu'à prendre dans la bagaille, pas qu'à quitter monde qui croit dans moi tout. Pour ne pas avoir un signal clair que moi-même, pas dans la bagaille ça. Puisque le problème n'est pas posé au niveau de petits groupes, ou du moins de groupes de gens coupables qui besoin apaiser. Le problème ne se pose pas à ce niveau. Le problème se pose à un niveau beaucoup plus important parce que nous ne sommes pas capables de dire que nous avons pays et tout mot qui pour définir et ça que pays a voulu dire, nation, patrie, l'État, nous ignorons l'existence. Tout n'a créé d'autres mots pour nous venir avec lui, pour venir passer mon attente. Par la donne. Faut t'en dire plus sur ça. Ou dit et entendre ça, il fait entre le monde t'a géré culpabilité yo. Ah, madame bonhomme, bien content que vous aurez autant de paroles là, qui a fait le répéter et qui a fait le monde qui a coûté tout comprendre que ça nous dit, regardez bien dans le tableau qu'on a regardé devant nous, tout le monde, chaque semaine, ordinairement, crime contre l'État, pour l'État écrasé, c'est pas je dis à le commencer. Et moi, il y a des hommes qui leur m'a parlé tandem et porté des corrections, il y a des fois, dans samedi. Par exemple, m'a voué un coup de chapeau pour une personnalité, d'un coup, Maître Osner Février, qui tandem qui a parlé de l'inexistence de l'État et qui porte une correction pour moi, qui dit, écoutez, Jacques, en matière idéologique, il faut jamais admettre l'inexistence dans l'État que vous vivez. Il faut trouver d'autres termes, par exemple, et le mauvais fonctionnement de l'État, et la décadence, la défaillance, mais arrêtez de dire que l'État haïtien n'existe pas. Mais moi-même, moi, dis-le, l'État haïtien n'existe pas. Tu vois, le crime est commis sur l'État haïtien, et c'est pas qu'on y a recommencé. L'Igon groupe n'est qui prend de génération en génération, et a fait passation, tant qu'on a dit son flambeau olympique, Mrivarel là, attendez, ou même Anarakei là, ou même Bamin qui devant, mais tout qu'on craint une démarche, tuer l'État haïtien. Voyons, madame Bonhomme, l'État existait à travers trois pouvoirs. Trois pouvoirs, ça, c'est trois roches d'effet qui considéraient comme garantie que chaudière a bouilli pour paysan capitaine de là, pour mon capitaine, parce que moi-même parler pour paysan ça, pas trop pour une équipe qui est forte, en gros, 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 gros. Je prends un exemple ça, pour montrer aux paysans clairs qui ça, ça veut dire l'État. Toi, je te fais ça, il est là pour garantir l'existence de chaudière qui a bouilli pour faire manger là. Si on a eu crasé beau, automatiquement, chaudière a penché, chaviré, manger là, tombé. Si on a deux crasés, même tirette. Et si tous les trois crasés, je vais vous dire, chaudière là, a une chita directement sous un charbon du feu. Et le ça, manger la pape, j'aime cuite, la pour manger qui rabit. Ça veut dire, ou pape qui a mangé, sous manger tout, la constipé, ou la pour toute maladie, et ou a mourir. Donc, c'est ça que j'ai l'inexistence presque de l'État haïtien. Puisque l'y représenté par trois pouvoirs,
le pouvoir législatif, et je vais dans l'ordre constitutionnel, le pouvoir législatif, qui est le pouvoir d'assemblée, qui mettait ensemble tout ce qui est fait par souveraineté nationale à travers des députés et des sénateurs, le pouvoir exécutif par un chef d'État élu, et le pouvoir judiciaire par un homme de loi, par la DCPJ, CSPJ, avec un chef qui est le premier citoyen. Le chef de l'État est mort, assassiné de cette façon. Le chef de la justice et le pouvoir judiciaire, le président aussi est mort de coronavirus. Le pouvoir législatif n'existe pas, puisque l'Assemblée nationale est constituée de la Chambre des députés et du Sénat de la République. Donc les trois pouvoirs, trois rôles, ça a tout de créer, ça n'a fonctionné dans l'espace, côté que ni les normes, ni dans la forme, ni dans le fond, il n'y a rien à considérer. Et voilà que, où je viens au groupe de nègres, qui, c'est qu'on attitude depuis si longtemps, a passé flambeau désespoir là. Donc en Olympique, il y a passé flambeau de mes années jusqu'à la destruction de l'État, que moi-même, je considère comme un être vivant qui t'a supposé faire partie de monde que fonctionnement l'État, ça garantit l'existence. Donc là, nous arrivons dans la phase là. Il faut que nous posions le problème. Qui ça fait ça? Qui moune? Oh, madame Monor, nous changeons l'heure, vous posez mon question. Là, vous posez une question, hein? Et puis me répond non. Vous dites, pour qui ça c'est les boulots exactement que moi-même, moi, essayer après prendre comme exemple dans le malheur d'Haïti. Et me répond non, madame Monor, loin de là, pas prendre comme exemple, non? Il est toujours à l'avant-garde en train de apporter des solutions ou du moins de poser des problèmes. Donc ça, c'est pour ces mamandéos, qui sont-ils, d'où viennent-ils? Mais c'est pas que je me prends. C'est parce que moi, toujours gardé, moi, ouais, c'est gros nekio qui est même à la base de problèmes. Et quand il faut négocier ou mourir dans les rues, ou pour les caoutchoucs, ou crier et devant tombe, c'est toujours le petit peuple que moi, qui a ça, mais quand il faut proposer des solutions et créer des problèmes, c'est cette grande tête que je joigne. Eh bien, je vous dis à me quitter les boulots derrière. Je quitter les boulots derrière, je quitter la classe possédante derrière. Je vous dis à moi, pique, m'a gardé le comportement d'une association de malfaiteurs qui est le corps groupe. Et cette association de malfaiteurs qui siégeait au Palais national depuis le départ malheureux et triste de l'assassinat, avec distorsion du président de la République. Et puis, moi, ouais, que, écoutez donc, il faut que j'ai courage, même j'aime bien qu'on a prêté du doigt certains éléments, le moment est venu que m'aller dans vrai malingrin. Et que ces jours-ci, je commençais à trisser au problème avec Haïtiens, dans le sens qui est plus concret. Parce que si vous voulez comprendre le problème, c'est d'abord identifier-le. Il n'est pas possible que nos anciens colons se comportent comme s'ils étaient des élus de la nation. Ils nomment, ils révoquent à tout moment. Aujourd'hui, on va avoir un président de la République, probablement, Joseph Lambert. Il attend l'approbation du corps groupe, sans nul doute. Probablement, si oui. Bagay, map, d'où on bande bagay, là, madame Bonnet. Non, tout à l'heure, map, retourne sur, ou dit probablement, hein? Joseph Lambert, président. Parce qu'il n'a pas qu'à gagner, il n'a pas qu'à président, s'il n'a pas qu'à probation. Mais ça fait deuxième fois, ça me comprend là, c'est que, bon, par contre, c'est corps groupe. Il n'a pas encore approbation, il n'est pas encore approuvé. Oui, mais ça fait... Ah, mais c'est ça qui explique l'installation pas faite hier. Ça dit. Parce qu'il n'a pas encore l'approbation de ses anciens colons, de l'association des malfaiteurs qui s'appelle le corps groupe. Et, pardon, bien, regardez, on la fait intervention avec Bob C. sans le patronner qu'un ordre. Et puis, ils font déclaration, ils disent Bob C. Ah, un dinégio. Je leur ai dit, et depuis 23 ans, je suis à leur service, et qu'ils me connaissent comme un serviteur fidèle. Mais comment, c'est quoi ça, un pays? Avec des hommes d'État qui se comportent comme s'ils étaient, que la politique, c'était un espace d'affaires, ils font de la politique, ils ont bagage comme d'azou, ils ont bric-à-brac, ils ont maison d'affaires. Or, le pays n'est pas ça. Quand on parle de nation, quand on parle de patrie, quand on parle d'État, il partage ça. Et pour cela,
pour trouver une solution à ce problème, il faut avoir le courage de pointer du doigt le problème. Il faut avoir le courage non seulement de détecter, de découvrir et de dénoncer. Et maintenant, pour que le monde qui voulait, c'est ça que faut le mouvement, qui a un slogan d'Ol, ça comprendre en aller. Si on ne comprend pas, mettre mettons un peu de gâteau. Parce que dès que nous avons d'autres explications, c'est que nous pouvons comprendre. Il y a des bagailles qui tellement, on ne peut pas comprendre que le soleil se lève à l'est et le soir se couche à l'est, à l'ouest. Puisque ça se va arriver chaque matin. Oui, donc, oui, mais. On ne comprend ni hier, on ne comprend ni jeudi. Depuis tout ce temps que. Il faut garder le sens de l'orientation, tout. Mais on retourne sur un point important là. Et on dit, on considère corps groupe là comme. Ou association de malfaiteurs, c'est à eux-mêmes qui n'ont pas l'air? C'est eux qui siègent depuis l'assassinat du président de la République. C'est eux qui nomment et qui évoquent. Et gardez bien pour eux. Il y a un sénateur qui montait au créneau, qui est un gros sénateur, qui est évalué au plan, qui montait au créneau et qui venait avec une histoire. L'homme attendait, et chaque fois, il attendait parce que je m'attendais chaque matin pour me garder, pour me comprendre exactement ce qui a passé au pays d'Haïti. Sénateur Beauplan, c'est ou bien le vini pour le cas vini, sans le baronner, et pour le vini sauver le pays d'Haïti, ou bien le vini pour le faire en aveu, ou bien le vini pour l'expliquer nation, écoutez, vous avez un problème. Et que ou bien tout les gros problèmes de conscience. Oui, mais il oui, est capable de problème de conscience, qu'il dit waouh, parce que dans la déclaration, non, vous sentez que l'ivlé, tout à même, vous savez, ça, moi, je pas à la donne. Mais cependant, il a tout dit. Il a reçu un appel de l'ambassadeur, ou maintenant, le langage que tu as parlé à sur le ton, c'est l'ambassadeur français. Évalière, tu viens manger avec moi vendredi. Évalière, tu peux accepter la proposition parce que je suis derrière. Et même l'ambassadeur, tu es le seul derrière ou... Non, on est tous derrière. Ça veut dire que c'est pas bagaille, m'a inventé, mes amis. C'est des bagailles pour nous regarder, pour nous dire, est-ce que ça, Jacob, qu'on va analyser, ça l'a fait comme analyse, il y a un rapport avec vérité, ou du moins, est-ce qu'on est là vraiment, est-ce qu'on est là-dedans? Et maintenant, le groupe est derrière. Derrière quoi? En négociation, Madame Bonhomme, il y a un chiffre qui est 5, qui représente les 5 doigts de l'armée. C'est avec lui, il a juré, il faut jurer. Ouais, le chiffre 5, son chiffre très mystique, et son chiffre qui expliquait, c'est comme Dadou, son chiffre de gage que lié. Ça veut dire que, quelle que soit la négociation, qu'on a un bon 5%, pas vrai. Parce que 5%, c'est son chiffre de gage qui expliquait, moi, m'être mouru. Moi, m'être mouru, et même si je ne suis pas mouru, pas inquiété, pas fort comme si je suis mouru. Donc, il est venu avec un chiffre 95% pour l'opposition et 5% pour le pays. Donc, à ce moment-là, on va comprendre parfaitement bien que dans les 95% dont il parle, il y a eu la nomination de Ariel Henry qui était faite le 5 du même, soit 48 heures avant la mort du président. Et tu vois, la. Non, ça est Valère Beauplan, t'as déjà son bail qui est remonté. C'est pas un bail qui t'a passé et tout de suite là. Et pour dire 95% pour l'opposition, 5% pour le pays, entendez ça, et sénateur Valère Beauplan et Dia, c'est pas comme ça. Mais on était sous. Non, mais attendez, Madame Bonhomme, le pays est représenté par le chef de l'État. En matière de négociation, même s'il y a des négociations internes, il faut croire que ce parti qui est ça qui n'en met, chef de l'État, c'est pour l'État à lié. S'il y a une opposition à l'intérieur, quoi qu'opposition, ça que me définit, que me décrit comme un bout de fil de différentes dimensions, qui pas capote aucun courant stable au bout du fil pour faire lumière, mais cependant, il représentait quand même. Mais ça que me développe attention sous lui, Madame Bonhomme, c'est que ni l'opposition, ni le pouvoir, ils ont un même boss. Et c'est ça que Évalier Beauplan, laissez-moi comprendre. Évalier Beauplan, pas dire pour dire ça, écoute, c'est notre gros problème, oui, mais le même boss. Et ce boss, c'est qui? C'est celui qui a appelé au téléphone pour dire, on est derrière. Maintenant, le chiffre mystique que m'a parlé là, l'histoire de son résumé, puisque le passé en matière politique n'existe pas. Le présent, c'est une compilation du passé. C'est tout ça qu'on apprend depuis qu'il est là, qui vient de voir un présent en politique. Ça veut dire que pendant qu'il a fait négociation et offrit à PIA 95% et la nomination d'Ariel Henry est faite, ça veut dire que lui, pendant que les propositions sont dans l'air,
le président est mort assassiné. C'est pour te dire que le chiffre qui exprimait l'esprit de Gajan, les fêtes et tourner là, tout le monde qui est impliqué, il y a réuni aux gens, certains innocemment, pas même qu'on est, puisque les types de crimes d'État, ça y est, là, ils ont fait, ils ont fait même nation impliquée. Je regarde déjà Jovenel Moïse, mais mon poule, qui a couvé dans la cour, qui a été dit, ça veut dire que Oukawe, son crime est bien organisé, son bagage extraordinaire. Donc maintenant, regardez gens l'enterré. Ils ont fait l'enterré tant qu'on vulgaire personnage. Le caoutchouc a boulé. Pendant ce temps, regardez l'enterrement Jean-Paul Delmondo en face comme acteur. Il vient de fête avec trompette, avec musique, avec un passé. Oh, le type, il défendait, il avait un discours, peu importe, faux ou pas, mais ce discours correspondait au desiderata de la nation. Ça veut dire que nous pas qu'à dire que nous avons tout ça devant nous comme élément pour analyser. Et puis le fini n'a dit adelanté. Et l'enfer n'a pas de fond. C'est une descente en enfer. On dit que nous avons passé flambeau olympique là de main en main jusqu'à ce qu'on ne sait pas où est-ce que la Piap mène. On sait où est-ce qu'ils ont côté au mène dans cette nouille. Nous, on est côté Yapmenen, nous, mais maintenant, lorsqu'on belle petite fille, lorsqu'on belle petite garçon, par contre, côté Yapmenen, avec modèle de négociation, d'accord et de attitude d'ailleurs. Donc, il faut dire, Abraham dit, d'où est-ce qui s'est passé? Et, bon, tu vois, m'a fin clair là, sous lecture que vous faites de déclaration et sénateur et bleu plan. Si vous m'avez que vous m'avez que m'a fin clair là, posez une question. Mais c'est ma vini. Et sous ça, justement, c'est peut-être ça, ma faut retourner sous lit. Et, ben. Ça moi-même me comprendre c'est que et d'ailleurs Jean Estaf en entrevue il était dit ça et ben Jovenel que au t'a décrit à son aide qui pas sous négociation qui pas lâche rien nous vienne comprendre c'est pas ça et c'est pas tout à fait ça et dit que est-ce que Jovenel c'est pas lui-même qui était problème non il part du problème c'est président de la République qui est en gestion et pour le faire, il y a une cause si bah yo la connia parce que dès qu'il s'agit là ou même qui chef de l'État, faut aller beaucoup de monde essayer et convaincre. C'est ça, me comprendre, c'est que l'opposition n'est pas de responsabilité partout. Tout à l'heure, bah moi fini et après on capable une réponse globale et ça me comprendre par rapport à l'évoquer cet ambassadeur. Et qui t'a parlé avec, c'est que yo t'es prêt et pour yo et accepter et proposition et Jovenel et Moïse pour lui capable bah il va connaître 95% vraiment pouvoir mais et pour opposition avec Jovenel Moïse qui t'a grande difficulté et à l'époque et yo capable diriger ensemble ça aurait les cohabitation moi. Donc est-ce que si moun sa yo kòk group yo gen responsabilité nan kriz la mais si y a poussé pour gen cohabitation côté mal là dans ça c'est divinement trop que c'est l'opposition non seulement il dit y a porté caution que ça Jovenel Moïse a et bien pas gen problème et nous derrière la fèl ou bien ça il me dit n'a fèl mais c'est l'opposition qui pas te fait pas supplémentaire là. Si on te fait pas supplémentaire là, nous t'apprenons, est-ce que ça t'a fait vrai ou bien c'est où l'État pour Léon Farine? Madame Bonhomme, son illusion, Madame Bonhomme, dans qui négociation qu'on entendait de mon ap négocier ça ou les give and take dans bon langage négociation pour que 95% à l'bon parti, 5% à l'bon l'autre là. Mais ça dépend, sous bagaille même, sous internet ou dans tout ou gen droit, ou lague tout bagaille. Donc, l'interprétation qu'il faut faire, c'est un gage que vous avez payé. Donc, quand son gage que vous avez payé, vous avez un constat comme figure. Donc, vous acceptez même pour mourir, ou ça veut dire que vous signez, c'est ça que je parle de gage, oui. C'est un langage mystique, oui. Maintenant, là, on dit que l'international est derrière. Mais écoutez donc, moi, c'est un homme qui, depuis que je m'existe, m'a dit tout le monde que le problème n'est pas Jovenel. Non seulement, ça me dit l'un des thèmes clairs. Que le départ de Jovenel n'est pas synonyme de solution. Je ne sais pas si de déclaration, ça me fait la voix. Ça veut dire que le Yap vient expliquer Mjoti que Jovenel, il semblerait que n'était pas le problème. Il a juste à répéter, il n'y a pas de probité pour répéter, et ça fige à Tédia, parce qu'au fond, c'est ça, moi, je me suis toujours dit.
Mais maintenant, déclaration sénateur Bouplan, mettez à nu tout le monde pour montrer que les décisions sont en provenance d'un seul patron. Et ce patron, c'est qui? Ce sont nos anciens colons. Mais c'est pas une nouvelle, ça y est. C'est pas une nouvelle, et tout acteur comme ça, tout, il a accepté le fait. Et même dans tête population, dans tête l'opinion, leur grand problème, ils connaissent ces blancs qui va taper du poing sur la table, bon, et puis ils mettaient tout le monde dans le wall. Madame Bonhomme, actuellement là, on prend le monde, après, je me dis, ah, Jacques, mon cher, nous bien, mais j'ai approché la question, mais où qu'on est si blanc par rapport, et au capitaine d'eau même, même peuple là, capitaine d'eau, me dit, écoutez, ouais, dans l'esclavage, blanc pas avec. Et Jean-Jacques Dessalines. Blanc pas avec, capo à la mort. Et pourtant, t'es compagnie esclave qui t'étendait avec yo. T'es grand pile moun qui pas tendait avec yo. Parce que ils étaient des commandeurs. Les commandeurs pas tendait avec yo. Les esclaves pas tendait avec yo. Mais ma besoin de bagaille, les héros pas tendait avec yo. Même j'aime moi-même, moi prends chauffe, parce que m'pas qu'à un problème comme ça. Que m'pas le quitter pour petit, moi. J'aime qu'on aimerait mes petites, moi. Et puis pour m'peut poser. Donc, si je peux poser, c'est que m'accepter à l'avance que petit moins, il faut le poser. Et si je n'ai pas même la capacité pour le poser, parce que la définition que blanc ça a bail, tête you, pour exister en face moins, c'est une définition fausse, Madame Bonhomme. En nous font parenthèse. Parce que, on va rentrer quand même dans le moment interviewant avec des questions pour l'an qui vient là. Parce que, ouais, arrestation, et interdiction de départ, révocation, tout ça, c'est des bagages importants. Mais bonne fonte histoire. On dit, même ou même l'école, on apprend. Il demande la grammaire française, c'est quoi? Et puis on va répondre, moi, c'est l'ensemble des règles à suivre pour parler et écrire correctement le français. C'est-à-dire, ouais, correctement ça qu'il a, quel que soit là, on pas suivre grammaire française, hein, ou pas écrire ni parler correctement le français. Or, le langage se plie aux exigences du cerveau. Donc, quand on parle, ça veut dire, on exprime. Du fond du cerveau ce qu'on a à dire. Maintenant, ce qu'on a à dire, une fois et que pour l'exprimer correctement, vous avez cette référence. Et cette référence m'envoie des fois dans le dictionnaire français, soit pour l'épellation de mots, soit pour la compréhension de mots ou la traduction de mots. C'est-à-dire que cette référence m'envoie des fois dans le dictionnaire français pour me retourner encore sur la grammaire pour être capable et parler et écrire correctement le français. C'est ce type d'éducation sacrée, ni moi, ni vous, nous tous capables de la joindre. Là, on allait dans le dictionnaire, et puis on checkait, on regardait, on demandait ça qui est blanc. Et puis on est à le dictionnaire, expliquer que blanc, c'est synonyme de pureté. C'est la pureté extrême, c'est ce qu'il faut, et c'est exactement ce qui est de positif dans la vie. Blanc. Maintenant, comme étant donné ces conseils, on va checker ça qui est noir ou nègre. Et puis moi, nègre, c'est symbole de pureté, de malpropriété, je suis nègre. Et puis il me dit, oh, regardez, définition nègre, nègre, ça aussi, c'est matériel. Et voilà que tout petit monde en nous, nous avons grandi, nous-mêmes, nous connaissons que quand on dit nègre, il y a même qu'on met adjectif devant le sale nègre. C'est pour s'exprimer comme ça. Donc l'homme grandit avec une doctrine comme ça, et puis on est à moi-même, moi, considéré tête comme ça, moi, je dis petit, mais c'est comme ça, devant qui blanc, que moi-même, moi, je voulais dire en bagaille. Puisque au fond, même les ma parlable, hein, moi, ouais, que c'est vrai, en tant que nègre, en tant que sale nègre, je n'ai pas ce droit de définir moi-même mon existence comme quelqu'un de positif. Je dis, oui, français, ça y est, blanc, ça y est, c'est matériel. Alors, moi, retourner qu'on est là en Afrique, puisque je suis nègre. On est à checker, dans référence africaine, c'est quoi un noir ou un nègre? Et puis, on explique que c'est comme si c'était Dieu. Et puis, c'est un Dieu. Je me dis, waouh, ça veut dire que la définition, ça c'est libre, mal adopté. Mais maintenant, l'homme gagné, en tant que nation nègre, Haïti, c'est une expansion de l'Afrique. Si qu'on est à la démarche diaspora que m'a entrepris maintenant, moi, ignorer complètement l'Afrique, et puis m'a fait constitution pays, ça. Et puis, c'est des blancs qui ont proposé des thèmes, des mots, des phrases, et c'est normal pour que je dis, moi, je suis là. Mais maintenant, si l'homme a fait constitution pays, moi, je connais que je suis un nègre et je suis noir. Je dois avoir des références, des termes clairs de mon origine. Mais Madame Bonhomme, on aura un autre pays. Donc, il faut retrouver le point zéro pour pouvoir poser ce problème avec ces blancs-là. Et maintenant, là, nous finissons joindre au point zéro.
dans la démarche et diaspora, on peut toujours dire aux Blancs, écoutez, donc, je vous reconnais parce que vous êtes toujours là, mais m'a changé pour me connaître que c'est avec eux, m'a fait une bataille de civilisation pour essayer d'enterrer la civilisation africaine, pour faire me comprendre que le nègre est sacré au diable et le blanc c'est sacré au diable, à point que ils viennent avec religion. Les religions ont fini, en nous point dernier ça, en parenthèse, là, Madame Bonhomme. On dit que le père est blanc, et vous montrez-nous là, à travers toute image. Le fils est blanc, et l'esprit est blanc. Donc même en invoquant la Trinité pour consolider ma foi, ça me dit, mes amis, au nom du Père, il est blanc, au nom du Fils, il est blanc, au nom du Saint-Esprit, il est blanc. Amen. Et quand le blanc dit quelque chose, c'est normal pour que tout le monde dise, mais c'est une association de malfaiteurs et tout qui ont une longue vision pour une civilisation. Donc il faut se mettre à la hauteur, parce que Haïti n'est pas un petit pays de la Caraïbe, comme je le dis souvent, mais c'est une extension de l'Afrique. Et il faut se comporter de telle manière afin que nous assumions, même si nous assumions en 1803, les séquelles de l'esclavage. On ferme une parenthèse, même car je veux dire comme ça, la nécessité de se défaire de l'emprise du blanc, de l'emprise et des étrangers et sous pays d'Haïti, mais tout gain au travail pour que Haïtien fait sous yo. Et on dit que étrangers, il n'y a pas rien qui capable fait qui a mal pour pays. Au pays d'Haïti, pour avenir pays d'Haïti, si pas gagner des Haïtiens pur jus, pur sucre, qui yo même participé là-dedans. Bon, complicité et quelque part pour yo capable réaliser ça, yo voulez réaliser. C'est ce travail qu'on est en train de faire là, Madame Boudon. Que nous devons faire, bah qu'on est non, peut-être faut qu'on masse critique et pour qu'il fasse, c'est pas dans déclaration tout, parce que ça lui doit marcher avec un comportement. Vous comprenez, ça dit, si vous voulez faire ce changement, ça, chaque monde, il doit agir dans ce sens ça, et pour le moment, une motion, je t'en prie, Madame Bonhomme, même si pour nous réagir de la sorte, il faut au moins nous informer, il faut qu'on soit conscient de la situation. Il faut quelqu'un comme moi-même, comme vous-même, pour dire, écoute, voilà. Mais maintenant, ce comportement, on doit avoir et on va avoir un comportement digne de soi, automatiquement que mon nom commence à prendre conscience. Parce que tu vois la misère, tu vois l'esclavage, tu vois l'insécurité, tu vois ces choses-là, ce n'est pas des bagailles qui prennent place, c'est des bagailles qu'on apporte à un peuple. C'est-à-dire, la misère coûte beaucoup pour introduire la misère dans un espace. Parce que la richesse ne coûte presque pas. Quand c'est la richesse qui se conjugue, tout se passe très bien. Mais quand pour introduire la misère, on passe par l'insécurité, comme tu vois le cas d'Haïti, et quand la misère s'impose, maintenant, c'est vous pour comprendre, boucher, parce que cette misère, droit, qu'on voit là, c'est lui qui va le créer, attitude, comme nous verrons là, voter pour Milgoud, pas comprendre ça, Nabdi, Mandarage, tuer l'un l'autre. Et il faut tenir compte, même, Madame Bonhomme, de la déclaration de ces gens-là. Pas de la déclaration Franklin Delano Roosevelt, là. Moun sa yo, faut nous kembe yo à pêcher yon l'autre pour yon pas servir d'exemple de pour quelque droit du monde ou de la Caraïbe. Donc, lorsqu'on constitution muette comme ça, qui existe dans le pays nègre, il faut qu'on connaisse qui j'en pour capable ou la paye. Mais, c'est pas de ma vie que blanc pas doit exister ou bien blanc pas la donne, non. Mais plutôt, il faut que nous, au moins conscients, qu'on a en face, il faut identifier notre adversaire avant que nous payions des tirs et boulettes. Faut pas même comprendre qui modèle bataille pour nous mener avec un adversaire qui aussi qui de sa bataille. Donc son énorme chantier, énorme travail de déconstruction et pour qu'il fasse. Il faut retrouver le point zéro, Madame Bonhomme. Et Mabdou, un bagage qui est très important. Il y a Dany Laferrière. Gros garçon. Regardez sur Radio Vision 2000, m'a posé le mais non, on est comme ça. Il y a Michael Jean. Gros femme. Regardez bien pour elle. Ils sont arrivés de l'Afrique vers l'Europe. Ils sont arrivés, Dany Laferrière est maintenant numéro un de l'Académie française, le pays colonisateur. Être numéro un de l'Académie française, je dis que l'Zine, en tant qu'Africain, confirmer la doctrine. C'est la doctrine blanche. Puis nous comprenons son victoire, non? C'est pour confirmer mon échec que l'Ier. Essayez que vous mettez là. Michael Jacques a expliqué au Sylvain Nepodjou, l'Eltan de la qu'est-ce qu'elle est cette lecture de ce petit chanteur haïtien, ou du moins, quel que soit Jean Lédia, mais ouais,
soutil honnêtement par l'avant, la tournant parcours, le parcours, le point de départ de l'Afrique à l'Europe, mais c'est pour confirmer la doctrine qui nous a ou du moins ils ont combattu tout le long de la route, mais finalement accepter Daniel Laferrière comme le numéro 1 de l'Académie française. Comme académicien tout simplement. Et on dit comme ça, il poussait en pile porte pour être capable d'entrer dans la cour. Il a fait du grand, il a absolument. Tu vois, madame Bonhomme, tu vois, pour l'accéder à la cour des grands. Regardez quoi ce va vous dire. Tu vois, c'est comme si on avait là, ce sont des grands. Et c'est faux, madame Bonhomme. Non, mais on a parlé de l'Académie française. Nous avons parlé de Haïti. Madame Bonhomme, les choses le dire, ils ne sont pas des grands. Puisque c'est eux qui ont introduit l'esclavage. Non, on a parlé de la France. On a parlé de la France. Nous avons parlé de. Mais c'est qui est le plus grand pays colonisateur qui gagne, madame Bonhomme. Non, on a parlé de ça qui a passé en France, l'Académie. Ça dit que l'entrée dans l'Académie française. Ça n'a pas gagné, nous pas dans relation. Madame Bonhomme, connaissant la force des mots, la grammaire française et l'ensemble des règles à suivre pour parler et écrire correctement le français, ça a beaucoup à voir avec l'Académie française, madame Bonhomme. Pourquoi analyser ça pour nous faire aujourd'hui pour nous mettre dans les guerres intéressantes? Et pas tirer les fusils encore, non? Parce que nous pas les fusils, nous pas les armes nucléaires. Mais ouais, il y a des nations soumises. Il y a des nations qui vraiment étaient debout. Il faut que nous, en tant que. Nous ne pouvons pas choisir d'être une nation dominée. Il y a des nations dominantes, mais il y a des nations dominées. Maintenant, si nous choisissons d'être une nation dominée, c'est normal que les nations dominantes mettent pied et puis déposent nous. Il faut que nous commençons à démentir les gens dans toute connaissance que nous avons pour nous faire l'autre bataille en tant qu'Africain, parce qu'on est maître de cette civilisation qui est de ce continent qui est considéré comme le flambeau de l'humanité. Mais nous avons travail devant nous. On nous fait une parenthèse pour de bon là. et n'a pas tombé. Parce que ça, c'est idéologie passive, maintenant. Le parti des artistes et des paysans. Avec la tête dans les étoiles, les pieds sur terre. Bon, la tête dans les étoiles, là. Tout en la tête dans les étoiles, non? Madame Bonhomme, écoute donc, pour avoir la tête dans les étoiles, il suffit d'être un artiste. Puisque les stars, quand on parle de stars, des artistes existent que là-haut. Mais il faut avoir le courage de lever la tête pour voir ces gens-là. Si vous n'avez pas le courage pour lever tête ou abdadate ou pas moi, non. Mais maintenant, si vous voulez les pieds, avec les pieds sur terre, on est tous des paysans, qui n'est pas un artiste et qui n'est pas un paysan. Spécialement les nègres. Ok, ça est philosophie pas sous la laïe. Oui, c'est là pour aller, oui. Madame Bonhomme, comment expliquer qu'on grand pays, tant qu'on Haïti, c'est un pays noir. Si on va prendre un grand nègre, m'a dit exemple, il y a point. Mais pour dire, montrer mon grand nègre Haïti, c'est boulot, c'est après l'autre. Ça veut dire que le type n'est pas nègre. Le type n'est pas nègre, c'est un blanc qu'il est. Mais voilà que sous pas. C'est tellement abjoué à moi, c'est tellement nous pas comprendre force. Modèle bataille noir, oui. Si on va parler d'un grand nègre, et puis on dit, qui est ce grand nègre? Rabdou, Brandt, Madsen, Boulos, Kols, et ils ne sont pas des nègres. Maintenant, si on. À des foot. Maintenant, si eux, quand ils sont riches, c'est grand nègre, et moi, quand je suis riche, c'est un grand blanc que je suis? Il faut poser le problème, avec le sens du sérieux. Bon, et où dit que l'accord qui paraffé samedi dernier, c'est bon, des mondes qui ont géré culpabilité. Oui, là où tu as parlé. Son groupe qui campe avec un drum sans dans la rue, qui a simaillé, qui a séparé, dans des tasses de Dracula, dans des tasses de Dracula, des gens qui vivent de sang, et puis le fin encore, qui fait ça pour nous, c'est la nourriture la plus fructueuse. Okay, parce qu'ils le font avec aisance. Ils le font tellement avec aisance, madame Bonhomme. Et Dracula, qu'on éteint la lumière pour le café jouer de ça, c'est qu'on fait la ciel ouvert en plein midi. Mais il y a même capable de dire, mais il y a une nécessité de redressement. Question à quoi il y a parlé aujourd'hui là. Et pas gagné, on dit premier ministre là, il y a besoin à quoi là pour capable gagner une certaine légitimité pour capable gouverner. Qu'on y a là. On déclic. Mais attendez, qui est-ce qui dit le premier ministre? Moi, je suis le premier ministre. Qui est-ce lié pour la vie faire ça l'affaire là? Qui est le premier ministre? C'est le dernier acte
acte et Jovenel Moïse posé. OK, maintenant qui sa constitution a dit? De qui constitution a parlé? Bon, va rentrer là dans nous, rentrer là dans nous l'autre jour, nous va dans constitution là. Donc, un pays qui ignorait complètement que lui son personnage moral et juridique qui t'a supposé gagner qui est supposé qu'on référence constitutionnelle pour chaque action et pour chaque déclaration que le droit poser. On peut déjà voir dans qui ça nous est. Qui est-ce qui dit quoi, qui sa constitution? C'est la question que tout le monde se pose. Mm-hmm. Puisque, ou pas qu'à faire tout ça. Problème n'était posé bien avant l'assassinat de Jovenel Moïse. Bien, mais c'est dit qu'il faut en avance, faut nous parler. Qu'est-ce que la constitution dit quand le président est mort assassiné? Que dit la constitution? Si ou pas qu'à mon référence légale, vous posons action. Ou à révoquer ou à nommer. Maintenant, cette constitution est une constitution. Ça veut dire que s'il faut amender la constitution, c'est le corps groupe qu'il faut amender maintenant. Mm-hmm. S'il faut dissoudre la constitution, c'est le corps groupe qu'il faut dissoudre maintenant. Mm-hmm. Mais qui sa constitution dit l'on nommé pour le bon nommer au premier ministre et que président là et que par un parlement? Parce que nous n'avons illégalité depuis quelques temps. La mort et assassinat de Jovenel Moïse, il vient mettre là. Donc si n'a pas de remonter comme ça, c'est si jeu ça n'a fait par exemple, là c'est monde pas nous faire li bon pour nous et nous pas parler, nous pas faire commentaire qu'on y a laissé adversaire là et qui fait ou bien parce que nous pas rien mais font tête monde qui fait là qu'on y a n'a dénoncé. Font camper dans petit jeu ça avec petit jeu ça. C'est la raison pour laquelle, comme je dis, c'est pas qu'on y a le démantèlement de l'État fait, parce que le passé de flambeau olympique de main en main jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais nous besoin qu'on ait, regardez, nous là, nous besoin qu'on ait ça, dans ça n'y est là, ça dit, comment, qui ça peut faire? Est-ce qu'on veut ça pour nous faire, Madame Boulogne? Tu veux que je propose quelque chose à la nation? Ouais, allez. Ma proposition. Pendant que les Blancs sont là, au Palais National, comme président, on est conscient qu'on est à l'air des propositions inacceptables. C'est-à-dire que c'est inacceptable que c'est le blanc qui siège au Palais National, qui nomme et qui révoque. Mais pendant que là, au moins tout le monde regardait, il constatait que il y a une déconnexion entre le fonctionnement de l'État et la nation. C'est-à-dire qu'il y a un fusible qui boulait, qui n'est pas remplacé, qui n'est pas dompé, qui fait que la nation a fonctionné à part, l'État a fonctionné à part. Donc, mauvais fonctionnement, ça a nous qu'à profiter du temps parce que le malheur n'est pas un problème. À quelque chose, malheur est bon. Et l'offre accident, j'ouvre accident, qui ont sauté ou pas bien, mais le AP au chèque assurance, on s'est dit ouais, que waouh, on va acheter toi l'autre machine et on caille. Donc, on va nous compte que des réparations qui a fait. Profiter de la présence du blanc, puisque c'est la première fois qu'il a accepté Chita comme vrai protagoniste, il était toujours fonctionné avec on met souterraine. Comme si Ntadou, c'était la diplomatie. Mais maintenant, avec la présence du blanc, même nous t'ai fait la verte, il y a une fois. Nous t'ai fait la fusil. Nous t'ai tiré et au chambot t'ai dit, c'est la bataille. Mais rend hommage à un officier noir. Mais maintenant, quand il a rendu hommage à l'officier noir, ce n'est pas les hommes non, qui rendent hommage aux hommes. C'est des esprits, oui. C'est un esprit africain qui que je te rends hommage à lui. Donc, c'est un esprit blanc qui t'est capitulé devant. Donc, ça peut se reproduire. Maintenant, il faut que nous mettions sur la table, cette fois-ci, avec des hommes, des mondes qui ont des armes et munitions appropriées, pour que nous disions, écoutez donc, monsieur, vous nous rendez hommage ou quoi? Parce que ils ont capitulé. C'est leur échec. Maintenant, en tant que colonisateur, maintenant, nous, Chita, nous proposer, nous chercher avec le support, l'appui et l'assistance de l'Afrique, parce qu'on parle d'un pays nègre. C'est une démarche diaspora qui leur met en face de leur échec. Ils ont échoué avec leur civilisation. Donc on cherche l'assistance et on cherche le coaching du côté de l'Afrique parce qu'on a un pays à 90%. Et on propose d'avoir une constitution qui reflète la réalité. Et cette constitution, c'est un dadou, maman là, papa là, qu'on est là, à nous parler de qui ça va manger à midi dans Kaira. Maintenant, nous finissons une constitution. Et cette constitution corrigeait toute dérive qui gagnait, dérive électorale, dérive de toute la sécurité, etc. Et puis, on a cette constitution. Ou presque. Et nous entraînons dans le gouvernement. Et de sinon, à quoi c'est qu'on s'approche là? Nous avons signé déjà. Et puis, parti à 10, après, il s'est venu mandat réel. Bon, côté comme signé. Nous avons signé à toutes 10 doigts. Si qu'on est là, si
soit encore constamment Ariel Tapi, la même date, mon cher, quelle que soit la situation, quel que soit le taux de culpabilité de ce dirigeant, allons voir, parce que la solution est dans nos murs. Maintenant, là, nous finissons une constitution réelle, et constitution, ça a bien travaillé dans tout ça, bien haïtien, dans un espace de consensuel. Parce qu'il y a toujours des gens qui consensuel, non, c'est l'espace qui doit être consensuel. En plus, on est venu faire même des gars tout le temps dans les oreilles à monde. Maintenant, dans l'espace consensuel qui ben, nous un gouvernement de transition, et puis avec la présence, bien entendu, du colon, puisqu'au fond, c'est eux qui échouent. Mais de leur façon dont ils ont capitulé avec, de cette même façon, ils ont capitulé. Laisse-moi finir, madame Monom, c'est important ce que je dis. C'est une proposition que le Parti des artistes et des paysans a fait à la nation. Maintenant, là, nous finissons de doter pays à nos constitutions, nous corrigeons toutes dérives. Et constitution, ça a bien travaillé dans tête tout chauffeur taxi et dans tête tout grand homme de loi. Maintenant, nous mettons en vigueur et nous venons constituer un État fort. Mais maintenant, cet État fort, ça, c'est pas pitié pour aller demander pour qui est dans le système pour victimes. Il faut le respect des normes. Côté que le président, une fois précisément, lui dit, c'est la constitution, dit catégoriquement dans son article 1, au moment de la prestation de serment du président de la République, on doit crever ses deux yeux. Président aveugle pour la vie. L'article 2. Si la femme du président porte des chaussures noires, et il faut couper ses deux pieds. Madame Béquille. Et à ce moment-là, quand on a une référence légale pour la gestion de l'espace d'État à travers le fait que l'État est un personnage moral juridique, et on corrige tout. En 2-3 ans, on retrouve le point zéro et on repart. Dans 200 ans, on aura un autre pays qui peut amener nous au lieu de 1803 à 2021 dans sa nuit là, mais on a notre pays qui peut amener nous de 2021 à 4000 combien pour nos enfants et dans notre position. Donc nous avons failli à nos ancêtres, il faut c'est le moment de ne pas faillir à nos enfants. C'est ça ma proposition et c'est ça la proposition du Parti des artistes et des paysans. Ok, donc si je suis capable de résumer tout le bas là, la partie de une nouvelle constitution. De une nouvelle constitution, du fait que si la blague n'accepte pas la constitution, aucun problème, on peut enlever le mot pour leur laisser avec leur fierté. Okay. Ça nous vient avec des autres petits mots, en négociation, hein, il faut trouver apaisé. Ah, c'est tout petit mot qui vient avec nous là. Mais les gens, ils ont chita sous table là, ils ont dit, ok monsieur, nous avons échoué, et ils ont mettez nous là dans le parce que nous avons échoué. Ni ils ont dit nous. Mais j'ai vu une campagne là, comme d'un des Haïtiens ont échoué, mais eux, ils se comportent comme s'ils étaient élus par des Haïtiens. Allons, Nexario, excusez-moi, pas les divers mots. Il faut qu'ils se reprennent. Mais je dis à la grande possibilité, oui. Parce que justement, ça va dépendre de monde qui pourrait aller à l'Assemblée constituante, là, tout le monde qui va participer. Exactement. Trouver le moyen d'avoir une Assemblée constituante parce qu'on a de belles têtes en Haïti. Mais maintenant, accepter l'assistance, le coaching de l'Afrique parce qu'on est de pères européens et de mères africaines. On va faire tout le bagaille. Pour l'économie, l'Union européenne. Pour l'intellectuel, l'Union européenne. Pour l'Union européenne. Et l'Afrique dans tout ça. Mm-hmm. Tu vois? Mais l'Afrique, sous bien garder, l'Afrique a même problème à Haïti. Voilà, madame Boudou. Mais c'est ça. Soit on dit tout nous vers l'Afrique là, je dis, à quelqu'un en Afrique qui a dit ça. Et l'œil au même. Madame Bonhomme, je vous le jure que nous avons résolu le problème mondial une fois pour toute Haïti, c'est le flambeau de l'humanité. Une fois allumé, l'humanité sera éclairée. Ok. Mais en attendant, nous avons un flambeau là, petit bougie pas nous. Parce que la question pas c'est ça. Pour nous, ça dit petit bougie pas nous. Oui, oui, mais on garde, je dis à nous, nous là pour nous sortir là-dedans. Ça sont énormes projets. C'est pas à pas, Quand on dit qu'en toute chose, il faut considérer la fin, madame Bonhomme, c'est pour avoir un meilleur commencement. Laisse-moi te dire, madame Bonhomme, il faut retrouver le point zéro pour sauver le monde. Et maintenant, ce point zéro, puis on a peur parce qu'on va le faire 1000 pas, et puis premier pas, c'est le pilou pour un nous faire. Pendant que nous chita sous table là, pendant que Jovenel Fink mourit là, pendant que tout est dans bon sarreau là, boumé dans la rue avec beaucoup de sang dans la main, nous tous comprendre, et puis tu blanc, s'il vous plaît, Mister Blanc, vous n'avez pas échoué. C'est pas que vous avez accepté la situation que nous avons parlé. On est tous dans le même bateau. Monsieur Blanc, comme on vient chita sous table là, on n'a pas de situation que nous avons à nous pose des problèmes. Maintenant, on s'en reproche peut-être, et ma parole travaille sur lui tout de suite, c'est ça qui fait me quitter
mouvement PHTK, que tranquille, parce que je ne pas de monde dans PHTK quand je ne parle pas de parole ça avec. Ou est-ce même il y a signé tête à tête, comme si tête depuis l'ambassade là d'ici, tout le monde aligné sur Valdir. Moi-même, je pense que je parle de travail, quel que soit l'agence, une proposition écrite, et que je publie la nation, et ceci, le monde qui a adhéré, vient ici. Maintenant, sans autorité, parce que je ne suis pas Premier ministre, je ne suis pas qui que ce soit. Mais maintenant, si nation, le comportement, l'attitude, lui dit bravo Jacques, eh bien là, je veux qu'on le veuille ou non, monsieur, conforme. Mon impression, c'est là, point erreur. Au lieu que je m'appelle dans Radio-Vision 2000, je vais me faire que je suis avec l'équipe, pas place, pour écrire de telles propositions. Et s'il y a quelque chose à corriger là-dedans, s'il y a d'autres touches à rajouter, eh bien, on le fera. Ça prendra le temps qu'il faut, madame. Ok. Mais vous êtes très proche, Jovenel Moïse. Vous imaginez que vous êtes allé dans ce sens avec elle et puis. Moi, je dis, madame, mon homme, c'est vous qui faut qu'elle prenne la rue. C'est vous qui dit, c'est moi qui dis Jovenel ça. Il est mal dit. Comment vous comprenez Jovenel qui a parlé par vous? Je n'ai pas Jovenel, non. Je dis, Jovenel, c'est moi qui mène Jovenel, président, oui. On a vu parler toute la journée, là, on dit, on va gagner. Je n'ai pas vrai. Alors, puisque me dit ça, je dis, mais écartez le volant d'ailleurs, ou tu me fais faire le courrier. C'est eux-mêmes, je dis, alors, tout après l'aime. Non, mais ça veut dire, mais je dis, ah ouais, tout, et peut-être si bah, tu fais tout l'autre genre, les patates mourir, j'en mourir à tout. Mais madame Bonhomme, nous avons deux présidents comme référence. Il y en a qui est René Préval, que je considère comme un grand professeur, l'autre là qui est le Jovenel, que je considère comme élève qui est chrétien, que je me connais. Mm-hmm. Parce que, quel que soit sans expliquer, l'idée pendant la expliquer la change. Quel que soit Jean expliquer le bagage, oui, pendant la pour expliquer là, on l'autre monde, et voilà que c'est lui qui est président. Rien à ça, le bandage. Jean-Marc va la mourir pour y aller. À la dernière minute, il a plaidé les murs, c'est recadré, n'a pas recadré, et on s'est des déclarations, on s'est des positions, et puis il n'a pas mal chanté au cas de lui. Mais si c'est pendant, depuis le 7 février, madame Boulon, j'ai mené une bataille au Parlement. Pour que Jovenel Moïse rentre dans le président par le national. J'ai mené cette bataille dans la tornade de Privert. Il y a eu cette tornade au Parlement. Et j'étais le seul membre fondateur de ce parti dont le président est élu. Il n'y a pas eu d'autres personnes. J'ai dû faire des alliances forcées, conjoncturelles, sauvages, avec des hommes forts en politique, comme Jean-Renel Senatus, Almandéo, comme Jean-Marie Salomon, c'est des têtes faites, comme Yuri La Tortue. Comme Calmi Wakantav, j'ai dû faire priver tout le monde qui a témoigné de ce petit Jacques. Et on l'a, Calmi Wakantav, traité de mégalomane. Le mot me paraissait étrange, et puis je courais mal côté madame. Elle me dit, mégalomane, c'est quoi, ma? Et puis madame me répond, parce que madame, moi, plus intellectuel. Parce que, il dit, quand on te dit mégalomane, c'est quelqu'un qui n'est pas un fan. Il n'est pas un fan. Donc, et c'est la raison pour laquelle qu'il te dit, il m'avait traité de mégalomane. Parce que là, monsieur, le problème se pose à ce niveau. Il faut prendre. On dit tête ronflée, t'es qu'on va mettre plus casquette. Tête ronflée, puis ronflée. Okay. Madame Bonhomme, pour qu'on fasse ça passer bien, quand on sortit dans le Parlement, Jovenel prêtait serment, le 7 février, le 8 février, m'a côté dans la Valère. Madame Bonhomme m'a expliqué ça parce que où c'est un acteur principal, chapitre. Et où qu'a démenti, parce que ça a fait qu'on fait déclaration, ça en premier. J'ai été voir le président le 8 février au Palais National pour lui dire, écoute, président, nous t'es parlé, on a kibé, on a respecté ou bien nous pas respecté. Puisque si pour nous faire, c'est au début de mandat, oui, pour faire. Puisque j'étais le complot que Jovenel et moi nous avons monté, c'est un complot que moi rentré dans le pouvoir législatif là, lui-même il rentré dans le pouvoir exécutif là. Et une fois que nous gagnons présence dans deux pouvoirs sérieux, virer tête l'État pour que nous. Je viens de créer un état fort. Et puis, à ce moment-là, Moun Sayo, qui a fait de corruption les lois fondamentales de la nation, il a obligé de plier. Tellement vous me faites carnaval, maman, on te valait, là, il y a l'argent, un discours. Pays a gagné 5 gros problèmes. Corruption. Moi, je regrette que le PACA là, parce que je me suis toujours à peine qu'un jour pour moi, je suis en face à face pour me dire, est-ce que c'est pas moi? Est-ce que c'est pas moi pour que je te dise oui, c'est moi ou bien c'est vous? Je dis non, c'est pas moi. Puisque le Sayo, moi-même, m'a avec monsieur, n'a conjugué Haïti avec un cœur. Et un cœur, côté que, où ça dit que monsieur voulait faire bagarre, moi-même, tout voulait faire bagarre. Comme deux petits nègres, nous rencontrons. Non, mais il y a une déclaration et puis il y a un acte. Madame Boulogne, je vais venir avec vous. Je vais venir avec vous, non, à côté qu'on participe.
Si vous m'avez dit ça, pour que je ne pas pour voler, pour voler, madame Boulon. Quand je suis arrivé au Palais National, je me dis, le président, ça l'a fait. Il dit, Marie-Lo Jacques. Et puis, je dis, président, mais peu importe, soit brûlé, mouillé, soit pas brûlé, parce que moi, je suis très busy, là, ça Palais National, fin envahi, on va me demander, toute chaise vide, tout le monde m'a engagé. Moi-même, comme sénateur, ça, même un verre du vin, je ne pas boire dans la réception au Palais National. Et c'est là que ça me devinait avec notre émission, le propos de l'affaire des éléphants. Vous savez, je l'aime bien, j'aime ça, madame Boulon. Les éléphants du Palais National. Ils ont refusé de parler, pour parler, de prêter pièce ou de l'eau. Je m'a dit, monsieur, il fait 4 mois, le Pajan Brilé. Et un jour, je me suis dit, madame Boulon, je n'ai rien aimé pour intervention dans l'émission. Elle vous dit, écoutez donc, l'émission est à vous, monsieur le sénateur. Et puis, je me dit, madame Boulon, si on venait là continuer à comporter comme ça, à prendre des décisions, dans n'importe quelle façon, sans tenir compte de mon existence, au niveau du département du Nord-Est, les salles pas prendre des décisions sous bagaille et salaire minimum, sous bagaille et salaire minimum des employés de l'industrie textile. Et voilà, mettre Caracol, je suis du Nord-Est, et puis mon élo pour être capable de dénoncer ces questions, et puis nous, à observer. Et on recule et m'a touché de ce pouvoir. Laisse à tout le monde réagir. Vous changez juste ça, madame Boulogne. C'est sous radio, avant que nous faisons des premières déclarations. Ça. C'était pour nous dire qui gens nous jouent des contraintes. Et à ce moment-là, nous avons pour une soirée et dans un barriade, nous avons lancé un album qui était Le Vrai Bonheur. Même président m'a télégré pour dire Jacques, pas fait les demi à président. Jacques, président, trop puissant pour que vous choisissiez, dit président. Je ne peux pas faire les dernières journées. Moi, on dit là, monsieur, pour nous mener une bataille, s'il n'a pas commencé le connier, là, il prend la fin de mandat, mais moi, il est à moi. Et puis, le connier là, moi, vini, le président Matéli vini avec Jovenel dans le bal là. Le sabbat qui a chargé à mon chef, saisim, saisim, que nous chanter ensemble, crier, chanter, parce qu'elle a fait le tour des réseaux sociaux. Et puis, à ce moment-là, moi, monsieur dit, moi, Jacques, écoutez donc, j'ai eu des mises en garde. Il faut faire attention. Pour nous avancer, il faut nous faire avec discrétion et avec ta candidature. Monsieur, allons voir. Et puis, il n'a pas jamais élevé quand même. Il vient en face de la caille. Il vient en face de la caille. Il vient inaugurer un prix qu'il fait. Il n'a pas même dit, mais il conseille de bagarre. Et puis, comme il dit qu'il y a des mises en garde, moi, il dit, OK, qu'il t'entende. Mais maintenant, à la dernière minute, il a commencé à élever pour l'expliquer. Jacques, écoutez donc, mon bon de bagarre que nous qu'on a dit, je vous dis à ma vie, maintenant, il y a un fou que je vivais. Et puis, là, je viens de Port-au-Prince. Nous, il peut même dire, moi, écoute, je suis là, je m'apprête. Et nous parler par là, nous, dans le téléphone, pour nous résoudre ces deux bagages. Et puis, quelques heures après, au tuyau. Bon. Eh bien, on a fini là. Merci. Madame Bounou, nous avons parole pour nous parler. Oui, non, on m'a même invité. N'importe l'autre jour. Oui, on toujours. On là, le micro est à vous. C'est-à-dire, ouais, Vision 2000, toujours, il y a une lumière. Et on est paraît, ou entrer, ou parler. Ok, merci à très bientôt. Merci à toute l'équipe. Voilà, c'est sénateur Jacques Sauveur Jean.